Marine Le Pen faisait cet après-midi le bilan de sa première année d'action au sein du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Un point presse était donc organisé à l'hôtel de région. Sur 2794 délibérations, le Front national a voté contre les propositions de la majorité à 489 reprises, pardon. Marine Le Pen a aussi évoqué des questions d'actualité comme la candidature de Christine Lagarde au FMI, la polémique sur les radars ou encore les chiffres de l'emploi. Écoutez-la, elle revient notamment sur la polémique liée aux panneaux indicateurs de radar automatique. Oui, les députés UMP ont eu raison de s'opposer. Mais en règle générale, ils s'opposent beaucoup avant, ils crient très fort, mais ils mordent peu. C'est-à-dire qu'ils finissent en général par voter ce contre quoi ils se sont élevés. C'est la raison pour laquelle je ne leur donne pas un a priori, je n'ai pas un préjugé de sincérité à leur égard. Parce que je m'aperçois que souvent, ils sont plutôt là pour canaliser puis étouffer l'indignation plutôt que pour en être les porte-parole.